connecter les applications qu'il faut pour que le robot marche et puis les instructions qu'il doit skipper et ce qu'il doit faire. Comme vous voyez, j'ai appris à construire des robots, à programmer et tout ça. Et puis, à comprendre comment marche un robot et à comment programmer un logiciel aussi. Ils pourront travailler même parfois les voitures, ou bien on peut construire un robot pour qu'il soit un chauffeur, pour qu'il soit un chauffeur et pour qu'il le conduise en toute sécurité. M-Bot et puis le Ranger. Le M-Bot sert à faire du football pour le mari. Le Ranger sert à éviter les insectes, puis aider les gens qui vont faire des accidents. Un robot combattant. C'est avec tous les problèmes qu'il y a maintenant, tout avec la guerre et tout ça, je pense que c'est la seule solution. Et d'un robot nettoyeur aussi. Je construirai un robot maître qui sert à sauver les gens. Je construirai un robot qui s'infiltre et peut aider les gens à gagner des procès. Un robot nettoyeur, genre, dès qu'il trouve n'importe quelle ordure, il les ramasse, il les broie et puis il peut le transformer aussi en d'autres trucs. C'est comme un robot recycleur.